Regarde, aujourd'hui, je survis sur un coffre géant. C'est juste incroyable. Yo, c'est le capitaine, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour survivre sur un coffre géant. Tu vas kiffer, franchement, fais-moi plaisir. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. C'est très important, et bien sûr, reste jusqu'à la fin. C'est parti. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, survie sur un coffre géant, regarde. Au milieu du vide, donc c'est un peu une survie Skyblock. Objectif numéro 1 dans Skyblock, on va commencer par casser notre arbre ici, voilà. Du coup, c'est parti. Voilà, on va casser tranquillement cet arbre-là. Voilà. Et on va commencer l'aventure. Bon, première étape dans un skyblock. Alors, il y a un mob spawner en haut. Ah, c'est un mob spawner à zombie. Alors, on va pas le garder, hein, je t'avoue. Hein, parce que autant un mob spawner, tu vois, plus sympathique, pourquoi pas. Mais à zombie, la flemme. Donc, surtout que bon, flemme que les mob spawn, on va le casser. Comme ça, on va être tranquille. Et ça, ça se voit que ça a été planté à la main parce que ça ne dispawn pas. Alors que ça devrait dispawn, vu qu'il n'y a plus de feuilles. Ah, il y a une pomme qui est tombée. Bon, c'est pas grave, on en aura d'autres. On va récolter un peu de graines d'ailleurs au passage. Tiens, on va replanter un arbre par ici. Donc, voilà, l'objectif va être tout simple, survivre, voilà, j'ai envie de dire. Ça me paraît relativement simple comme objectif, la survie. On va ranger les fleurs dans le coffre. Alors, il y a pas de coffre, c'était offert de base avec la map, enfin c'était là de base avec les fours aussi. Les fours sont également offerts, donc ça fait plaisir. Et on a un coffre pour commencer l'aventure. D'ailleurs, je t'ai pas montré avec pas mal de trucs, notamment du blé qui peut nous servir à avoir du ping. Voilà, on a du cuir, pas mal de trucs intéressants. Donc ça, c'est la map, enfin, ça nous explique la map. Et on a de quoi fabriquer une source d'eau infinie, comme tu peux le constater. Et on a un cactus qui est toujours utile. On va juste le ranger pour l'instant parce qu'on n'a pas grand intérêt dès le début, mais ça servira plus tard. Alors, on va manger, on va fabriquer, je pense, la partie un peu plus skyblock. Alors, je réfléchis. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place en fait. On n'a pas vraiment beaucoup de place. Donc, il faudrait réfléchir à une stratégie. Déjà, je propose qu'ici on garde pas autant de trucs en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir autant d'eau. Bon, déjà, on va fabriquer tous les outils en bois comme ça fait. Hop, t'as dit hache, épée. Et la pelle en vrai, c'est pas la peine. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher vers le bas un peu plus de terre. Donc, là, il y aura notre accès de mine, je pense. On va le mettre là. Et direct de la pierre, ok. Bon, ça servira toujours dans tous les cas. Voilà. Puis, on va garder juste une source d'eau infinie, tu vois. C'est pas la peine de garder un truc qui prend beaucoup trop de place pour rien, entre guillemets. Et de l'or direct. Ok, donc il y a des minerais en dessous, donc c'est compatible avec une survie. Donc là, on va garder juste un espace, tu vois, par exemple là. Voilà, tu vois, un espace comme ça, entre guillemets, dédié à la survie, tu vois. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Parfait. Je vais prendre un peu plus de cailloux. Voilà. Et en fait, j'avoue, j'hésite. On n'utiliserait pas de la terre fait, mais genre très fait, pour tout simplement combler le reste. Voilà. Donc là, il y a la source d'eau infinie. Là, ça gagne de la place. Bien. C'est pas la peine de garder. On aménage un petit peu, hein, ça fait partie du jeu. Pas la peine de garder qu'il y a là. Enfin, tout ce qui est sable là, c'est pas la peine. Voilà. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée de génie. On va récupérer toute la terre là. Tu vas voir quoi. Ça va être très utile. Voilà. Comme ça, on forme la terre en fait. Et on va remplacer ça par de la cobblestone. Comme ça, tu vois l'avantage. Je crois que j'ai. Ah non, ça veut dire j'ai refermé l'accès à la mine. Mais en fait, non. Ça va. Comme ça, ça pourra pas spawn en dessous. Parce que si on laisse un espace, ça pourra spawn. Et c'est un peu galère. Donc, on va pas laisser de place, justement. Alors, il est peut-être temps d'améliorer nos outils. Déjà, c'est pas dans l'ordre. Réaménage ça. Ranger ça. Ranger ça. Outils, s'il vous plaît. Non. Il y a un truc que je voulais pas ranger. Ah, j'ai utilisé toute la cobblestone. Ah. Ah, mais c'est pour ça, attendez, attendez. Stratégie, stratégie. Voilà, déjà dans la lave, comme ça, on va pouvoir, voilà, améliorer la pierre. Bon, j'entends un squelette. Il y a un squelette dans la base. On prend toute la pierre qu'on trouve ici. Normalement, il y aura du fer et du diamant, t'inquiète pas, c'est une map survie, normalement, il y a tout. J'ai entendu un squelette. Je crois qu'il y a un spawner à squelette là-haut, hein, je pense. Voilà, comme ça, regarde, ça comme ça. Ensuite, stratégie, ça comme tu vois. Comme ça, on garde la terre, bien évidemment, ici. Ah, il y a un squelette. Salut. Donc, t'as de la chance, toi, tu meurs pas jusqu'à présent. Allez, salut, hein. Alors, en vrai, bon, ça aurait été mieux qu'il meure sur la terre ferme, pas qu'il tombe, parce que comme ça, on aurait pu utiliser la poudre d'os pour faire pousser plus vite. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est... Bon, bah voilà, c'est mieux ici. Bon, si maintenant on passait à la partie générateur à l'infini. Alors là, on va pas l'enlever parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fabriquera le portail. Ou alors, j'ai une idée. J'ai une idée génie. On a besoin d'une seule source de lave en fait. Le reste, on s'en fiche. Pas de problème. Allez, voilà. Attention, on va pas enlever la deuxième source. Ok, bon, comme ça, il y a de l'obsidienne. Mais au moins, comme ça, tu vois. Et bah, c'est pratique. Alors, où est-ce qu'on fabrique notre générateur? Moi, je dirais ici. Il y a de la place ici. Ouais, je dirais là. Alors, fabriquer un bon générateur. Le plus important, c'est que l'eau n'atteigne pas la lave. Donc pour ça, quand tu places ton eau, tu mets un bloc qui descend ici, et là tu mets ta lave de l'autre côté. Je t'explique. Là tu mets ta lave, là tu mets ton eau, et comme ça ton eau ne peut pas, voilà, éliminer ta lave. Oui, parce que le problème, c'est que si tu places mal, alors mince, j'ai cassé le coffre, il y a plein de trucs. Bon, c'est pas, on va tout déménager. Le coffre. Oui, il y avait un coffre dans un coffre. Ah oui, non, parce qu'on a cassé le coffre là. Ça, ça. En vrai, on va le ranger. Parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. Moi, je mettrais bien un lit. Hop, l'eau, on en a besoin. Ah, mais en fait, on est sur d'eau infinie, on a plus besoin de ça. Mais voilà, on a géré de fou en fait. C'est bon. Même pas besoin d'utiliser ça. Alors, il faut mettre un bloc ici quand même. Éviter. Alors, ouais.
Ouais, peut-être. Alors d'ailleurs, faut mettre un bloc difficile à casser avec une pioche, c'est-à-dire du bois. Là, voilà, tu peux casser en toute tranquillité. Voilà. Donc là, tu as un générateur de cobblestone infini. Voilà, tu as cobblestone infini. C'est le principe du générateur, hein, tout simplement. Hop, et hop. Voilà. Bon, bah la survie s'annonce mieux déjà. Hop là, attention. Et hop. Ce qui va, c'est que nous, on peut pas tomber normalement. Voilà, on peut pas tomber, c'est trop bien. Bon, passons à la suite du programme. Donc la suite du programme, c'est une survie. Hein. Voilà, ça et une. Et je rentre. Et ça pour le moment. Bon, là, on est pas mal, je t'avoue. Il y a clairement un spawner à squelette. Hein. Ça spawn vraiment. Ça peut pas spawn ici, c'est bien éclairé, donc ça spawn d'en haut. On va aller sécuriser ça. T'inquiète pas. Je vais avoir une pomme. D'ailleurs, j'ai faim. C'est vrai qu'on doit fabriquer un champ assez vite, je pense. On a de quoi fabriquer un champ en vrai. On doit peut-être fabriquer un champ. Hein. Un champ improvisé, genre par exemple là. Ouais, moi je dirais c'est pas trop mal. On n'a pas beaucoup de place pour l'instant. En fait, ce qui serait bien, c'est ouais de. En fait, ce qui serait bien, ce serait de d'agrandir la base. Hein. Un petit peu quoi. Moi je dirais que c'est un bon plan d'agrandir la base, tu vois. On va casser tout ça. Parfait. Et on va même casser cette bordure là. Voilà. Et comme ça, on va agrandir la base. Là, j'avoue, on n'a pas assez de place en fait. Bon, ça ressemblera plus à un coffre. Je sais, mais bon. Je t'avoue, on est plus là pour survivre. Donc on a droit d'aménager le coffre comme on veut, hein, en soi. Voilà, c'est juste pour gagner un petit peu de place, je t'avoue. Alors attention, ouais, ça peut être très dangereux. Alors, en vrai, on ferait mieux de sécuriser d'abord. Parce qu'en fait, imagine, il y a un squelette ou un truc spawn. Moi, je dirais que le risque est trop grand. Alors, salut. Waouh! Il y a masse mob là-haut. Ok, alors, baston général, apparemment. Ouais, baston général. Si on joue à cache-cache. Là, je t'avoue, c'est pas mal tout ça. Mais là, il faut vraiment qu'on mange. Les graines casse là, mais j'ai pas rangé dans le même coffre. C'est pour ça que je me disais les trucs sont pas au même endroit. Ah, encore une dernière. Là, je t'avoue, il va falloir passer l'opération champ immédiatement. Voilà, une houe improvisée immédiatement parce que là c'est chaud. On va immédiatement passer à l'opération champ hein, parce que là c'est plus le score des araignées et tout là. Ok, j'ai les graines. On va directement utiliser ça. Voilà, ça on a un petit peu de pain à notre disposition. Ok, bon, c'est un peu chaud niveau point de vie. T'avoue. Ok, c'est bon, on peut régénérer. Ça va. Ça va. Ouais, parce qu'en fait, forcément là-haut c'est pas sécurisé. Mon frère, il y allait de jour en fait. Bon, il va pas tarder à faire jour, on le voit au soleil, donc ça devrait le faire. On devrait pouvoir survivre. Voilà, je n'hésite pas à replanter. Là, voilà. Comme ça, on peut directement fabriquer un pain de plus et régénérer un peu plus notre barre de vie. Voilà. Bon, c'est juste parfait. Tu vois, l'énorme avantage de ça, c'est qu'on a de la bouffe. Voilà. Finalement, on a construit le champ assez vite. Mais c'est bien. C'est vrai qu'il faut casser le reste des. Quand est-ce qu'il fait jour? Très bientôt, on est d'accord. On voit que le soleil se lève. Hop, je remange. Tu sais quoi, j'ai cassé ça très rapidement. En vrai, ça va vite, regarde. Il reste quasi rien. Il y a un squelette là-haut. Bon, on meurt. Ok, encore un squelette là-haut. Bon, voilà, on a cassé tout ce qui restait ici. Là, c'est sécurisé. On peut remettre la hache place. D'ailleurs, on a qu'à fabriquer un arc, regarde. Voilà, comme ça. En plus, on a des flèches, on a fermé les flèches et tout. C'est pas plus mal. Voilà, j'ai mon arc en place. J'ai le champ en place. En vrai, on s'en sort vraiment pas mal, hein. Alors, évidemment, j'étais en train de sécuriser là. Mais avant de sécuriser là, justement, pour éviter les accidents, ce qu'on disait, on va casser les spawners là-haut. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc, c'est parti. On va sécuriser tout ce qu'il y a là-haut. Histoire d'être tranquille. Alors, est-ce qu'il reste des squelettes là-haut? Je ne pense pas. Il reste des araignées quand même. Non, c'est les araignées. Et un spawner. Ah non! Attends, spawner, mouton. Alors, attends, ça, c'est un spawner que l'est. Là, c'est un spawner. Bah, alors, les moutons, pourquoi ils spawn pas? J'ai pas vu un seul mouton quoi. Ah waouh. Bah alors c'est trop bien ce coffre, il y a tout. Du diamant, du fer, des bouteilles d'XP. Allez, c'est parti pour un petit bain d'XP les potes. Ah bah voilà, franchement, trop cool qu'on soit venu là-haut. Bon ça c'est un spawner à mouton, donc je t'avoue, il n'y a aucun risque à laisser ça. Par contre là on peut pas descendre tranquille. Par contre j'aimerais bien éclairer là-haut. Le seul truc c'est qu'on n'a pas de quoi éclairer. Il n'a pas de quoi éclairer encore. Hein. Il va falloir fabriquer ou trouver du charbon. Bon, faudra penser à éclairer. Juste pas oublier d'éclairer. Important. Ici on en est où? 1, 2, 3, on peut rajouter une rangée. 4. Là. 1, 2, plus. Alors oui, j'ai cassé forcément ma houe au bout d'un moment. Alors, on va ranger des trucs parce que là c'est vrai, ce n'est pas forcément très organisé, on peut le dire. Il y a des trucs qui vont pas nous servir tout de suite, par exemple les émeraudes, je t'avoue, aucun intérêt. Par contre, le diamant aura un intérêt immédiat, et ça tu le sais, ça va être ça. D'ailleurs, on a trouvé énormément d'obsidienne, je pense qu'on trouverait autant. Alors ça, on va pouvoir jeter parce qu'on a, je te rappelle, pierre illimite. T'inquiète pas, relax, je te rappelle, on a pierre illimite. Bon, alors les animaux, on va les faire spawn, mais juste après, on va d'abord fabriquer des enclos, on va pas les faire spawn comme ça, sinon ça va être vraiment une catastrophe en termes d'organisation. Ça, c'est pour la. Alors, attends, le bouquin là, on est d'accord, ça marchera pas, c'est pas un vrai bouquin. Attends, j'ai une idée. On a jamais fait ça. Est-ce que ça fonctionne? Je pense pas. Non, ça fonctionne. Par contre, regarde, t'inquiète pas. En vrai, c'est pas un problème parce qu'on a tous les ingrédients pour avoir un vrai bouquin. Regarde. Hop là, magnifique. Et là, ça va marcher. Hop, tada! Table d'enchant. Et est-ce qu'on enchanterait pas? Ah, on n'a pas. Attends, on a trouvé du lapis lazuli? Ça, non. Non. Alors, pas grave. Ah oui, j'ai pas mal de terre qui me sert justement. Eh bien, tout simplement. Eh ben, à fabriquer ça. Voilà, ici, tout simplement. Alors, bon, du coup, on est en train d'agrandir la base. Et on a trop de trucs à faire en même temps. Bon, c'est bien, au moins, on s'ennuie pas. On va fabriquer une houe en bois. Ouais, parce qu'on va économiser sur les houes, hein, je t'avoue. En général, des fois, on se fait plaisir, mais là, on est sur une aventure classique. Avec ressources limitées, on va pas non plus tenter trop de folie. Bon, déjà, on a un champ, ça c'est très bien. On va récolter notre champ d'ailleurs. Alors là-bas, il y a, comme tu peux le voir, une plateforme très intéressante. Et je crois que c'est une plateforme à diamant infini. C'est pas une blague, je crois que tu peux échanger des items contre du diamant. Donc, on va essayer d'y accéder, bien évidemment. Mais d'abord, on va d'abord s'installer un petit peu. Oui, parce que voilà, on est là pour survivre, je rappelle. Hein. On n'est pas en vacances, hein, c'est pas du tourisme. En vrai, si, un petit peu, c'est cool, tu vois. Bon,
ambiance, mais on est aussi là pour survivre. Voilà, bon, et ça pousse très vite, c'est cool. Hop là, un peu de pain, ça fait toujours plaisir. Hop, hop, alors attention, à ne pas tomber. T'inquiète pas, si on tombe, normalement on regarde notre inventaire. J'ai activé la commande pour pas perdre l'inventaire. Ça évite quand même. Ça évite quand même de tout perdre, tu vois, parce que c'est pas ouf, je t'avoue. Bon, là j'essaie de gagner un petit peu de place. En vrai, on pourrait déplacer le champ par ici, mais bon. En vrai, il faudrait déplacer le champ par ici. Tu vois, ça nous ferait gagner de la place là-bas. Voilà. Comme quoi, la terre, c'est toujours pratique dans ce jeu, hein. Mais là, comme ça, tu vois, l'avantage, c'est qu'on gagne de la place. Et oui. Alors, j'ai farmé de la cobblestone. Qu'est-ce qu'on va faire avec la cobblestone? On va fabriquer des murs, regarde. Hop, bah oui, parce que quand même, il faut quand même sécuriser tout ça. Attends, probablement qu'on va fabriquer un truc comme ça et ne pas sécuriser notre environnement. Oh non, non, non. Regarde. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà. C'est pas beau, ça, regarde. C'est pas mal, hein. Bon, alors, comme ça, on va pouvoir déménager le champ. On va enlever l'eau. T'inquiète pas, j'ai eau infinie ici, hein. Je rappelle, voilà. Parce que j'anticipe, hein. Tu me dis en commentaire, attention, t'as perdu ton eau, mais t'inquiète pas, on a eau infinie. T'inquiète, relax, tout va bien. Voilà. En plus, alors, par contre, ouais, ça, c'est le seul problème de ce champ-là. C'est qu'ici, ça va pas partir. On peut casser le champ à la main, hein. Ouais, parce qu'à cause de l'eau, ça risque pas de partir, justement. Dommage qu'il n'y ait pas moyen de retransformer un truc, tu vois, en... Dommage qu'il n'y ait pas un outil pour retransformer les champs en terre classique, tu vois. C'est de casser le champ, en fait. Mais avec un outil, juste. En vrai, on s'en sort très bien. On sort très bien, voilà. On va recréer le champ, hein. T'inquiète pas, c'est prévu, hein. Juste, je faisais un petit peu de place. Voilà, pour gagner un petit peu de place par rapport à la base. Bon, là, on est à 1, 2, 3, 4. Donc là, on peut mettre l'eau ici. Voilà. Et on va fabriquer une houe cette fois-ci. Bon, alors, 1, 2, 4. Ah oui, j'ai pas pensé à la mine. Bon, c'est pas. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Bon, forcément, bon, il y aura un peu de champ par ici, hein. D'ailleurs, j'y pense, on n'est pas allé vraiment miner, en fait, pour l'instant, jusqu'à présent. Ah, d'ailleurs. Bon, tu sais quoi, il est grand temps d'innover, je pense. Je pense que t'es d'accord avec moi. Et d'inaugurer la houe en pierre, hein. D'ailleurs, on va replanter un peu maintenant qu'on a un peu plus de place. Alors, on n'a pas masse place non plus, mais on a un peu plus déjà. C'est déjà ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai du pain. Voilà. Pour le déjeuner. Voilà. Ça fait du bien de pouvoir manger un petit peu dans le jeu. Bon. En vrai, ce serait bien d'aller voir là-bas, je t'avoue. Ce serait pas mal. Bon, déjà. Hop, non. Là-bas. On va essayer de tout ranger dans un coffre pour le moment. Après, on fera des coffres à thème. Hein, genre, tel coffre à tel truc, tel item. Pour l'instant, je t'avoue, on improvise un peu. C'est pas plus mal. Voilà. Donc là, je replie le tranquillement. Il me fallait plus de graines. Ah, bah j'ai tout pris en fait. C'est bon. Hop, j'avais toutes les graines en anticipation, justement. Je pense que un stack, ça suffira pour le reste des emplacements. Voilà. Dans le champ. Bon, voilà, c'est très bien. C'est vrai qu'on a une table d'enchant ici, j'avais oublié la table d'enchant. Bon, le champ est en place, c'est cool. On va aller par là maintenant. Bon, allons faire un tour. Allez. Wow, ça va super vite en plus. J'ai quand même envie d'aller voir un petit peu cette plateforme. Hein. On avance vite, regarde. Ça va trop vite en fait, en s'accroupissant comme ça, regarde. C'est du génie. Ok, on arrive, regarde. Alors, escalier peut-être, ouais. On n'a pas pensé à ça, mais on n'a pas d'escalier. Voilà. Diamant gratuit. Ah oui, regarde, je mets des items. Ça... Regarde, regarde, regarde. Regarde bien, je donne des items. N'importe quoi, regarde, ça me donne des diamants. Alors, ça marche pas à chaque fois. Alors, peut-être c'est un peu aléatoire. Attends, peut-être un par un. Attends, si jette un item. Ok, je crois qu'il faut pas spam. On jette un diamant. On jette un diamant. On jette un diamant. Ouais, il faut pas spam. Il faut pas spam. Parce qu'en fait, c'est un peu de redstone, tu vois. C'est un comparateur. Donc en fait, si tu spam, le courant est continu. Or, s'il est continu, tu n'obtiens pas. T'as dit. Voilà. On veut, nous, c'est les diamants. Donc là, grâce à ça, comme tu peux le constater, nous avons accès à des diamants infinis. Bon, pas mal en vrai, diamants infinis. Bon. D'ailleurs, faudra penser à éclairer ici. On va s'occuper de tout ça. T'inquiète pas. Par contre, ouais, juste un truc. Parce qu'en fait, on nous dit oui, oui, les diamants, tout ça. Alors, j'ai une idée, hein, déjà. Oui, mais en fait, on n'a pas de lit pour passer la nuit. Donc on va régler ça tout de suite, immédiatement, avec nos moutons. Combien de laine vous avez donné? De laine? Ah ouais, évidemment. Évidemment! Bon, bah, allez, un mouton de plus. Hop, merci. Alors, ouais, comme ça, on va pouvoir dodo, passe flemme, tu vois, si la nuit est arrivée. Parce que pour l'instant, on n'a pas éclairé la base. Bah oui, je tiens à te rappeler quand même que la base n'est pas éclairée, donc c'est dangereux, quoi. Mouton. Alors, par contre, ouais, les moutons, je vous fais pas confiance. Moi, ouais, on va sécuriser parce que flemme de perdre des moutons. Bon. Alors, grâce à tout ça, les petits plastrons, bien sûr, mais bien évidemment, la hache, bien évidemment, la pelle. J'ai pas ce truc. Hop, la pelle, et bien évidemment, les. Bon. Bah, écoute, on n'aura jamais été aussi vite full diamant. Alors, je sais que je le dis à chaque fois, mais en vrai, dans une aventure Skyblock, c'est la première fois. Il me reste 5 diamants, on peut fabriquer le casque. De toute façon, on a un diamant infini. On fait ce qu'on veut, nous. Alors, je sais qu'il y a de l'or depuis le début ici. En fait, la grande question, voilà, j'allais dire, est-ce qu'il y a uniquement de l'or? Non, il y a du fer également. Bon, alors, ça sert pas à grand chose, mais on va quand même prendre, hein, sinon jamais. Sinon jamais, c'est pas du diamant caché derrière, quoi. On peut tenter. Ah, bah, regarde, regarde! C'est même pas une blague en plus! J'étais en train de blaguer, mais pas du tout! Bon, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de diamants? En vrai, moi, ce que j'aimerais, c'est du charbon. Et je sais pas si on a. Ah, du lapis lazuli. Voilà. En vrai, il y a tout. Hein. Cette map est bien faite. Il y a tout dans cette map, hein, franchement. Non, mais honnêtement, t'as tout ce que tu veux dans cette map. Hein. Ça, c'est cool quand même. Alors, par contre, juste du charbon. Alors, après, s'il n'y en a pas, charbon de bois, hein, ça fonctionne très bien, mais il n'y en a pas de base. C'est rare quand même. On va regarder. Là, il y a encore du diable. Ça fait le tour. Ouais, hein, je suis certain. Là, ça continue par là. Ok, faire encore. Bon, il y a pas mal de ressources. Hein. Je t'avoue, c'est pas les ressources qui manquent dans ce coffre. Hein. J'ai dans la base, mais c'est pas une base. Ah, voilà. Bah, pour une fois, d'habitude, c'est ça qu'on trouve en premier. Là, on l'a trouvé en dernier. On a tout trouvé sauf ça. Hein. C'est incroyable quand même. Hein. Ça, par contre, c'est une première. Hein. Je crois que j'ai jamais. Enfin, on a trouvé du charbon après le reste. Hein. On a trouvé du diamant d'abord.
du fer et de l'or. J'ai pas un diamant qui est là quand même. Cool d'avoir du diamant, je t'avoue. Et en vrai, il y a de la surface, hein. Je pensais pas, mais en vrai, ça se mine pas mal, hein, ici. Bon, après, là, on a bien creusé, hein. Mais d'une manière globale, il y a encore du diamant. Combien de diamants il y a dans ces mines? C'est incroyable parce que le diamant, c'est le truc qu'on trouve le plus facilement aujourd'hui, je crois. Hein. En général, c'est censé le truc le plus rare, mais ah, un coffre. Oh, le portail de laine. Non, mais attends, c'est un... regarde, il y avait tout ça. Il y avait ça dans le portail. Enfin, dans le portail, dans le coffre. Incroyable. Ah, il y a encore du charbon par là. Voilà. Bah, ce serait dommage de gaspiller parce que je t'avoue, les ressources sont rares aujourd'hui. Bah, finalement, c'était bien un coffre, hein, tu vois, parce qu'on est dans un coffre et tout, c'est dans le thème. Dans un coffre, il y a des richesses. Et bien, c'est réaliste. Je tiens à le préciser. Voilà. Beaucoup trop de ressources. Et en fait, ça fait une giga base ici, en fait. Parce que là, en fait, si on creuse tout, bah, on a un super espace, hein. On n'y pense pas. Voilà. Et je parle pas de la voiture, la Renault Espace MDR. Blague à la Kev Adams, attention. Blague jeu de mots. À l'ancienne, les frérots. Bon, voilà. C'est des blagues de flop, un peu comme Grimm, tu vois. Un peu comme l'humour de Grimm. Voilà. Il aime bien flopper, bah, voilà. C'est pour ça que je dis humour à la Kev Adams. Alors, c'est bien marrant tout ça. Mais où est notre. Voilà, notre zone pour faire. Bon. Et on va ranger quelques petits trucs quand même, hein. Ça. Alors, le diamant qu'on a trouvé, évidemment, on va s'en servir. Je te rappelle que le diamant est illimité aujourd'hui. Il serait dommage de ne pas s'en servir. Voilà. Ensuite, ici, on va ranger un petit peu la cobblestone parce qu'on en a beaucoup, mine de rien. Et on va activer enfin les fours pour la première fois du jour. Ça rime MDR. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais on a plein de pain à fabriquer. Voilà. Bon, bah, ça se présente pas mal cette aventure. On a diamant infini. En termes de ressources, on est pas mal. On peut fabriquer le portail du Nether quand on a envie. On peut même casser l'obsidienne ici quand on a envie. D'ailleurs, regarde tout ce qui était ici, là, on va le rendre. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça reste de la pierre. Alors, attention, ouais, elle lave le côté du générateur. Tiens, maintenant qu'on a trouvé du lapis lazulis. Si on enchantait un petit peu. Pioche. Hein, oui. Oui, c'est sympathique. Voilà, je casse un peu l'obsi en vitesse. Mais en fait, c'est quoi? On va laisser une base. Ce sera la base du portail. En vrai, attends, on va laisser une base. Ouais, une base genre comme ça. Alors, tu sais quoi? On va fabriquer le portail, mais on va pas l'activer. Parce qu'un portail, quand il est activé, bah, tu sais, bah, il y a toujours, tu sais, une certaine ambiance. Tu vois, un portail, c'est pas discret. Donc, on va pas l'activer. Comme ça restera silencieux. Parce que j'aime pas construire les portails juste à côté des bases. À cause de ça, justement, parce que bah, tu sais, t'as toujours le son d'ambiance du Nether. Et des fois, je t'avoue, un peu la flemme. Même si c'est très cool, hein, de s'ambiancer. Alors, le reste de l'obsidienne est là. Bon, donc là, on va fabriquer le portail. Ou alors, tiens, je vais te montrer un truc rigolo. Si tu sais pas comment désactiver un portail, ça, tout le monde ne sait pas faire. Regarde, bon, c'est pas difficile. Si tu savais pas, je vais t'apprendre un truc. Regarde, tu fabriques un briquet pour l'activer. Parce que sans briquet, tu peux vraiment l'activer. Enfin, tu peux, faut ramener du feu. Bon, ça prend du temps, c'est galère. Le briquet, c'est la meilleure solution. Tu l'actives, ok. Mais pour les activer, comment on fait? Bah oui, parce qu'une fois que c'est activé, tu vois, t'as l'ambiance du Nether. Hein. Et bah, en fait, tu prends un seau, c'est pas compliqué. Tu prends de l'eau et en fait, tu mets de l'eau ici, sur le côté là, sur le portail, ou n'importe où en fait, sur le portail. Voilà, ça va casser le portail. Voilà. Et tu peux aussi fight le pigman, il soit pas d'intrusion sur notre territoire. Et bah, c'est pas mal tout ça, en vrai. Je vais peut-être récupérer un petit peu de bois parce que je sais pas si t'as remarqué, mais depuis le début du jeu, j'ai très très peu de bois. Non, mais faut le dire, j'ai vraiment, on est pauvre en bois aujourd'hui. Hein. Mais après, c'est normal, on n'a pas beaucoup cassé d'armes. Et puis en même temps, on vient un peu dans un coffre, tu vois, au milieu du vide. Donc c'est pas non plus étonnant qu'on ait pas bois infini. Hein. Bon bah, voilà, j'ai replanté un petit peu. Et c'est pas mal. Bon bah, c'est tout simplement le premier épisode de notre aventure survivre sur un coffre géant. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important. Très très important, je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo incroyable. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux vidéos à l'écran, clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes!